Beaucoup ne jurent que par le tarot de Marseille et d'autres trouvent une aisance au tarot de Rider-Waite. Lequel choisir? C'est tout de suite après le générique. Pour le néophyte, pas toujours simple eh bien, de se retrouver entre les centaines de jeux qui existent sur le marché. D'un côté, nous avons le tarot de Marseille et d'un autre, les tarots de type Rider-Waite. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons, dans le cadre de cette vidéo, une fois de plus, parler tarot. Je vais vous parler de la différence entre un tarot de Marseille et un tarot de Rider-Waite. Dans le commerce, il existe deux styles de tarot. D'un côté, on a le tarot de Marseille, qui ressemble à ça et que l'on retrouve beaucoup en France chez les tarologues. C'est le tarot le plus ancien sur le marché. Dans ce tarot, il y a 22 arcanes majeures qui sont toutes représentées de manière unique, ainsi que 56 autres cartes que l'on nomme les arcanes mineures qui se découpent en 4 séries, les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Dans le tarot de Marseille, vous pouvez le voir, et les arcanes mineures eh bien, sont représentées par des dessins pas très équivoques. Le tarot de Rider-Waite, c'est un style de tarot à part entière. Il ressemble à ça et que l'on retrouve plus particulièrement eh bien, dans le pays anglo-saxon. Il est aujourd'hui l'un des tarots les plus vendus au monde. Aujourd'hui, on trouve de nombreux jeux sur le marché qui découlent du style Rider-Waite et qui s'inspirent de ce jeu si particulier. Le tarot de Rider-Waite est un tarot plus récent que le tarot de Marseille. Il trouve ses origines vers 1909. Il a été créé par deux personnes en particulier, Arthur Waite, qui se consacre à la conception et à l'écriture du jeu, et Pamela Coleman-Sis pour la partie illustration. Le tarot de Rider-Waite eh bien, s'inspire beaucoup de la forme du tarot de Marseille. Mais contrairement au tarot de Marseille, les 56 cartes mineures vont être illustrées à des dessins uniques. Mais pour être plus clair et pour voir la différence entre un tarot de Marseille et un tarot de Rider-Waite, le mieux est que je vous montre des exemples eh bien, de cartes mineures. Voici le 8 d'épée du tarot de Marseille et voici le 8 d'épée du tarot de Rider-Waite. Vous constatez que par vous-même la nette différence entre les deux jeux. Le tarot de Rider-Waite est beaucoup plus intuitif dans son imagerie. Voici un autre exemple avec le 5 de bâton pour le tarot de Marseille et le 5 de bâton pour le tarot de Rider-Waite. Il est donc naturel que lorsqu'on débute en tarot, de se pencher vers un tarot de type Rider-Waite, surtout si vous voulez utiliser eh bien, l'ensemble du jeu, arcane majeur et arcane mineur. Effectivement, le tarot de Rider-Waite sera beaucoup plus simple à apprendre du fait de son imagerie intuitive. Vous savez donc maintenant faire la différence entre un tarot de Marseille et un tarot de Rider-Waite. Pour ma part, j'aime travailler avec plusieurs jeux de tarot. C'est pourquoi j'utilise aussi bien le tarot de Marseille que le tarot de Rider-Waite. Mais il est vrai que si je dois utiliser lors d'une consultation eh bien, les arcanes mineures, je n'utiliserai que le tarot de Rider-Waite. Vous hésitez encore? Vous ne voulez pas choisir entre les deux jeux? Et si vous allez voir, le tarot de Marseille-Waite, c'est une réconciliation des majeurs simples et puissants du tarot de Marseille original et des mineurs illustrés et clairs de la tradition Rider-Waite, le tout de style médiéval. Ce jeu est tout à fait récent puisqu'il date, lui, eh bien de 2020. Il a été créé par Emmanuel Higé, qui est tarologue, et Alice Laverty, qui est illustratrice. Si ce jeu vous intéresse, eh bien je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Place à vous de faire votre choix. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis et de me dire quel tarot utilisez-vous. Je suis curieux eh bien, de vous lire. Bien sûr, vous pouvez faire un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.